Eh bien salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est sur F1 2016 et aujourd'hui c'est le jour J. Aujourd'hui c'est la course, c'est le GP de Melbourne, c'est notre toute première course et j'espère ne pas déconner. Donc rappelez-vous, hein, dans l'épisode 2 j'avais fait les essais libres et les qualifications et j'avais fait une magnifique première place. Et c'est pour ça que je me pose des questions dans le sens que est-ce que je vais pas augmenter le niveau de difficulté? Voilà. Alors je le verrai. Donc ouais, je me pose cette question et puis si imaginons je finis premier ou alors si je vois que c'est trop facile, je mettrai la difficulté en difficile. Tout simplement. Alors faut savoir que la première vidéo est sortie, donc elle est sortie samedi, on est lundi, et il y a eu une cinquantaine de vues quasiment, donc ça me fait très plaisir. Il y a eu quelques abonnements. Donc pour les abonnés, enfin pour les abonnés et les nouveaux abonnés, vraiment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça montre que vous êtes présent, un petit commentaire si vous aimez cette toute nouvelle série. Voilà, avec ce petit format sympathique. Écoutez la boîte vocale. Bon, je pense qu'elle va me dire bravo pour ta qualification. Ah oui voilà, ouais. Et les attentes du team, donc terminer la course en 16e place ou mieux, devant passer Pascal Wehrlein, passez-vous 20e ou mieux. Donc voilà, en soi, rien de compliqué. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des petits commentaires, à partager cette vidéo à vos potes qui sont fans de F1 ou qui regardent des vidéos sur YouTube tout simplement. Et puis voilà, stratégie de course, on va regarder un peu la stratégie de course. Donc il y a combien de tours? Il y a 15 tours. Donc il y a 15 tours, c'est ce que j'avais dit, 14 ou 15 tours. Donc, prévu, arrêt au stade 1. Donc, faut que je fasse 9 tours avec des super prendre. En soi, c'est pas trop. Là, 9, 10, 6. Pardon. Ah non, 3, 3, 8, 6. Ok. Non, bon, on va rester avec ça. Par contre, le départ que j'avais fait, c'était. Attendez, attendez. Oh! Pas dégueu! Bon, j'ai perdu déjà ma première place, mais pas dégueu. Faut savoir que. Voilà. Faut savoir, donc, j'ai fait donc la course cette nuit, hein, d'ailleurs. Hein, et la course était longue, hein, vraiment longue. Mais j'ai fait un départ vraiment dégueulasse. Hein. Wow! Let's go, baby! Alors, donc, vraiment dégueulasse. Et là, pas si dégueulasse que ça. Le tour de chauffe, quoi. Et il n'est pas. Par contre là je colle Rosberg. Ok. Oh. Je vais la voir, je vais la voir. Hop là. On prend l'intérieur, on prend l'intérieur. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je le bouffe. Je le bouffe, je le bouffe. Ah oh Rosberg, je veux pas te faire de mal. Ah ça passe bien, ça passe bien. Pareil que les essais libres, les qualifs, les trucs comme ça. Je vous ferai un best-of. Je vais pas vous mettre la course en entier. Faut pas déconner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez à tout prix les essais libres. Voilà. Parce que moi je me dis que. Parce que chaque semaine, il y aura deux vidéos. C'est ça qu'il faut se dire. Il y aura une vidéo essais libres et qualifs. Et l'autre vidéo, ce sera la course. Donc voilà. Donc chaque semaine, vous avez un GP. Donc ça, c'est la régalade. Et en soi, c'est plutôt beau jeu. Alors attendez, ça, c'est le virage du cancer là. Ok. On est reparti, voilà le bon petit virage, c'est reparti. Donc je me suis dit, est-ce que les essais libres ça vaut le coup? Est-ce que ça vous plaît vraiment? Enfin, est-ce que c'est vraiment utile pour vous? Essayez de me le dire dans les commentaires, vraiment, n'hésitez pas à laisser passer commentaire, c'est pour tout et n'importe quoi. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des astuces, si vous avez des conseils, vraiment, n'hésitez pas, hein, n'hésitez, enfin. Soyez pas timide ou quoi, vraiment n'hésitez pas, moi ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des petits commentaires à qui répondre. Et puis voilà. Donc je pense en tout cas que je vais me mettre en mode difficile, je pense, parce que c'est pas possible d'être chez Manor, je vous le dis, hein, moi qui suis vraiment la F1 depuis des années et des années, c'est pas possible d'être chez l'écurie. Quasiment la plus faible du paddock. Donc le paddock, c'est. Quand on dit le paddock, c'est l'ensemble des F1, l'ensemble des écuries, on va dire. C'est pas possible d'être l'écurie la
quasiment la plus faible du paddock et avoir une victoire. Non, c'est... Donc je l'aime vraiment ce circuit. Hein. Vraiment, moi je vous cache pas que ce F1 2016 il me procure des sensations vraiment sympathiques. Puis j'adore tout simplement. Après, j'aurai encore plus de sensations dans le sens que quand j'enlèverai les trucs d'assister là, mes couilles. Oh, mais ça sera peut-être dès le prochain circuit, hein, dès Bahreïn, je crois que c'est Bahreïn le prochain. Mais en attendant, on reste comme ça. Ok, donc prochain tour au stand, déjà, c'est rapide. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors un des points négatifs que j'ai trouvé cette nuit en faisant la course là, c'est que les arrière stand sont super super longs. Je m'explique, aujourd'hui dans la F1, bah voilà, on passe la ligne des stands et ensuite il y a l'arrêt quoi, il y a l'arrêt au stand. Et là j'ai failli me louper, ça fait plaisir. Et ensuite il y a l'arrêt au stand. Donc concernant l'arrêt au stand, en soi, quand il y a les mécaniciens et tout, il y a à peine. Enfin pour les meilleurs, en tout cas les meilleurs c'est Williams. Et je viens de faire un virage de merde. Hop, bon. J'ai toujours de l'avance, tout va bien. Donc les meilleurs en soi c'est Williams qui font du 2 secondes pour changer les pneus, les trucs comme ça. Et puis Mercedes c'est dans les 2 secondes 3, 2 secondes 5, les trucs comme ça. Et puis voilà, la F1 2016 c'est 11 secondes il me semble. Bah vous allez voir de toute façon. Voilà, est-ce qu'il y en a qui me suivent? Ah il y a Hamilton qui me suit, peut-être Vettel. Il y a une mouche de merde là. Ça se prépare. Ah, c'est vrai, je croyais que j'étais chez Mercedes. Non, je suis chez Manor. Donc, ça se trouve, ça va être encore plus long que chez Mercedes. Hein. C'est peut-être. Ah bah non. Bah non. What the fuck. Bah là, ça me fait 2 secondes 9. Là, je suis étonné. Par contre, la mouche qui veut aller dehors. J'ai jamais vu un insecte aussi con qu'une mouche. Vraiment, la mouche, mais c'est incroyablement con. Hein. Faut vraiment faire quelque chose là, faut lui donner un petit boost là, parce que là c'est pas possible. Quand on ouvre une fenêtre, elle va sur la fenêtre d'à côté, et quand on ouvre cette fenêtre, elle va sur la fenêtre à 1 mètre. Vraiment, les mouches, c'est totalement con. Hein. Vraiment, c'est le poison. Après, vraiment, en tout cas, moi c'est ce que j'espère après la course, une petite conférence de presse s'il y a ça. Ça serait magnifique, vraiment je kifferais qu'il y ait une petite conférence de presse. Alors le Magnussen, je le tapote là, va au stand s'il te plaît, merci. Hop, voilà, on prend bien le virage, un petit DRS en plus. Puis petit coucou aussi aux personnes du forum, hein, forum F1. J'espère que vous êtes nombreux à regarder, en tout cas quelques-uns à regarder cette série. J'espère que ça va amener des gens, quoi. Des passionnés, parce que je fais sur un format sympathique où je ne prends que les meilleurs moments. Donc c'est la régalade, c'est vraiment la régalade. Et hier, c'était PSG Metz. Donc je l'ai regardé avec ma grande sœur et mon beau-frère. Et régalade, hein. Bon, par contre, la première mi-temps, on est là, on domine de ouf, mais Cavani il croque comme The Kairi dans un kebab, là. Après, but de Lucas Moura, c'est ça que je comprends pas. Le mec, il arrive à faire un très joli but, mais 90% du temps, il fait de la merde. Il fait des accélérations, il fait des passes dans le vent. 40 millions, voilà. Je regarde en même temps le nombre de minutes, ça me permet de me faire une idée, voilà. Parce que vous aurez des moments où il n'y aura pas la caméra. Je m'en excuse, mais ça je peux rien y faire, tout simplement parce que déjà c'est un appareil photo dégueulasse, la qualité vidéo est dégueu. Après quand je la mets dans le coin en haut à droite, la qualité est bien, quoi, il n'y a pas de souci. Mais sinon si je mets en grand écran, c'est vraiment dégueulasse, et vous l'avez vu, hein, dans Sifour 2016, la vidéo de mes vacances, où la qualité est vraiment dégueulasse. Je peux rien y faire, c'est l'appareil photo des parents, mais voilà. J'aurai peut-être un boulot en septembre, en tout cas un entretien qui peut vraiment se résulter en boulot.
Et je me ferai plaisir sans doute pour Noël avec, avec un appareil photo digne de ce nom, histoire de pouvoir vous faire des petits facecam et pourquoi pas vlog, hein, vraiment, pourquoi pas, mais de meilleure qualité, parce que là c'est vraiment, vraiment infâme. Donc voilà, donc ça y est, Bottas est enfin allé au stand. Les JO c'est fini, ça y est. Voilà, hier, enfin cette nuit c'était la cérémonie de fermeture, mais quoi là? On a eu une médaille d'or en boxe, enfin avec Tony Montana là, avec sa femme aussi qui a une médaille d'or, ça c'est très beau, c'est vraiment goals, comme diraient les fragiles là. Et puis après on a eu une médaille d'argent en handball, les experts qui n'étaient plus très experts pour le coup. On a dû appeler David Caruso, mais il était sur une enquête, donc bon, voilà, excellent, excellent, excellent. On aime, on aime. Donc voilà les gens, plus que 11, 12, 13, 14, 15, 5 tours. Donc oui, par rapport à la Paris, c'est pas de ma faute par rapport au moment où il n'y a pas de facecam, parce que je peux tout simplement faire que 30 minutes de vidéo à chaque fois. Voilà, c'est des vidéos de 30 minutes max. Je comprends pas. Voilà, j'avais déjà ça sur l'ancien appareil. Là, celui-là, on l'a depuis quelques années. Ah, Nikon Coolpix, mes couilles là. Je comprends pas. Fais pas une limite quoi. Hein. Balance tout quoi. Et ça m'avantagerait vraiment parce que il n'y aurait pas de problème. J'aurais juste. Je mets Audacity, je mets l'Elgato, je mets la caméra. Et puis voilà, je suis super bien. Mais non, non. Faut qu'il y ait une couille dans le pâté. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai quand même une maîtrise comme assez bonne de F1 2016. Enfin, de jeu de F1 en soi. Hein. Parce que j'ai commencé sur PlayStation 1 à l'époque, avec Formula One 98, si je dis pas de conneries. Bon, pas en 98, hein, parce qu'en 98, j'avais 2 ans. Donc, bon, j'avais la manette dans les mains, elle faisait la taille de ma tête. Hein, bon, par contre, bon, je peux me voir les couilles. Mais voilà, dans les années 2000, ouais, 2005, 2010, un truc comme ça. J'ai commencé avec ça et puis après j'ai eu F1 2010 il me semble sur j'ai commencé avec F1 enfin commencé j'ai continué avec F1 2010 si je dis pas de conneries sur PS3. J'ai fait aussi F1 2013 il me semble, qui était sympa aussi. Et puis voilà, ça y est, Next Gen F1 2016 qui est vraiment une régalade. Hop, voilà, donc on se mettra en difficile, c'est officiel, parce que là je trouve que c'est quand même assez. C'est vraiment facile, hein, c'est le mot, c'est facile. Donc, bon, on fera ça tout simplement. Ah, Rosberg, oh! Ça passe, ça passe, ça passe. Vettel est repassé devant Rosberg, donc ça va se jouer vraiment jusqu'au dernier tour, j'ai l'impression. Bon, allez, 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 plus qu'un tour, The Last of Us, The Last One. Ah, j'ai perdu mon oreillette, c'est pas grave. Un petit juif. 3 secondes de pénalité. Ah, excusez-moi. Apparemment, les règles, ça s'applique pour tout le monde. Ouais. Je m'en bats les couilles, j'ai win, yes, yes. Let's go, baby. Yes, le talent, le talent. Yes. Let's go, baby. Le talent. Regardez ça. Yes! Yes! Ouais, les gars, bravo. Bravo. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Non, mais vraiment, c'est grâce à vous. Hülkenberg 13e. Alors, pourquoi il me montre Hülkenberg? Je sais pas. Alors, attendez. Juste faire un petit. Hop. 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3. Ça y est, c'est le podium! Et c'est la win! C'est la win! Yes, c'est pour vous, les gars! C'est pour vous! Ah non, mais c'est les pour Rosberg! Putain, Rosberg, tu déconnes! Eh ouais! C'est la win! C'est la cristalline! Yes! Oh, le champagne! Le champagne! Ta 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 ta. Allez, la petite photo, les gars. Allez, les gars, venez. Allez, bien. Voilà. Yes! Yes! Let's go, baby!
Let's go. Bah c'est moi le plus convaincant. Let's go baby. Putain. Ah. Let's go. C'est le talent, c'est le talent, c'est le talent, c'est le talent, c'est le talent. Oh yo! Ah la pétasse! Aïe aïe aïe! Ah bah ça c'est le karma ça! À faire le malin! Fais le malin, tombe dans le ravin! Ah, ah je me suis pris le coin du bureau là dans le coude! Oh putain! Oh la vache, c'est Deblex 9! Oh la vache! Attendez, j'ai même pas d'interview là! Ah non, vous déconnez les gars! Mais non! Un petit interview au moins! Mais non, pas d'interview. Vous êtes sérieux les gars? Je suis très déçu. Je suis très déçu. Je suis très déçu. C'est le mec qui en rajoute. Je suis très déçu. Allez gars, on va améliorer un petit peu la bagnole là. Pour ce... on va y arriver, on va y arriver. Peut-être que c'était pas pour ce GP, mais qu'il n'y ait pas d'interview ou pas de conférence de presse d'après-course. C'est une grosse déception, mais vraiment, hein, vraiment une très très grosse déception. Donc paramètres de course, comme je vous l'ai dit, on va se mettre en niveau difficile, tout simplement. Et puis voilà. Voilà. Donc petite déception, voilà déjà, déjà. Ok, donc la caméra m'a lâché, ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, un nouvel élément intégré. Niveau d'amélioration du moteur, hein, donc ça fait plaisir. La régalade. Ah ça aussi, allez hop, moi ça c'est fait, hop là on est bien, on est bien, on est bien. Donc vraiment déçu, hein. Vraiment, vraiment déçu qu'il n'y ait pas, je déconne pas, hein, vraiment. Très déçu, très très déçu, après ça reste vraiment, comment dire, c'est secondaire quoi en soi, mais bah voilà, je pensais qu'il allait avoir une petite conférence de presse où on a des choix à faire, où c'est où il y a une répercussion, voilà. Et au final, pas du tout. Donc, petite déception, ça c'est sûr. C'est vraiment clair et net. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc première place, la victoire, ça fait plaisir. Eh les gars, vu que j'ai gagné, ça mérite un petit pouce bleu, vraiment. Bombardez les pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, ça sera les essais libres plus la qualif. Donc, sur le GP de Bahreïn. Et voilà, c'était Nico. Prenez soin de vous. Allez, ciao.